Aujourd'hui, je vous propose de réaliser la recette de ma grande sœur, de Mowgli. Ouais, c'est son petit surnom que je lui donne depuis toute petite. Vous allez surkiffer des pâtes au gorgonzola crémeuses avec du brocoli. C'est parti! Dans un premier temps, je vais porter l'eau à ébullition avec du gros sel pour faire cuire mes pâtes. Je vais ajouter les pâtes. Moi, j'utilise des penées aujourd'hui, mais on peut prendre les pâtes que l'on veut. Petite astuce économique que ma grande sœur fait. On va faire cuire les pâtes 5 minutes et ensuite, les 5 dernières minutes, je vais ajouter les brocolis. Comme ça, on utilise l'eau de cuisson des pâtes et tout cuit en une seule fois. C'est rapide, c'est économique. Alors, temps de cuisson, bien évidemment, à adapter. Hein. Si vous avez des pâtes qui cuisent en 3 minutes, je vous conseille de tout mettre en même temps d'un coup. Hein. Ça fait 5 minutes. De mon côté, donc là, les pâtes ne sont pas encore prêtes, hein, c'est tout à fait normal. Je vais terminer avec le brocoli comme je vous expliquais, il n'y a plus qu'à le plonger. Je vais couper le feu, comme ça on va vraiment pousser les économies jusqu'au bout. Je mets le couvercle et on prolonge la cuisson pour 5 minutes. A tout de suite. Là, les brocolis vont être encore un petit peu croquants, les pâtes sont prêtes, c'est impeccable. Je vais égoutter tout ça et on passe à la suite. Ok, regardez-moi ça, je viens de retirer l'eau, ça va être merveilleux. On passe à la suite de la préparation. Allez, touche finale, une grosse cuillère comme ça de crème fraîche, une énorme cuillère de gorgonzola, on y va. Franchement là c'est au feeling, hein. il y a pas de mesure, hein, je vous le dis. Voilà, on mélange cette petite merveille, donc là tout est encore chaud, ça va fondre vraiment tranquillement. Je vais ajouter un petit peu de poivre. Alors, j'ai salé l'eau de cuisson et le gorgonzola est déjà salé. Donc, vraiment goûter avant de rajouter du sel. Je compte sur vous hein, pour passer le bonjour à ma grande sœur au passage. Voilà, si vous êtes là à ce moment-là de la vidéo, vous mettez en commentaire Mowgli. Je vais goûter quand même au cas où, si c'est pas assez salé. Mmh, c'est trop bon. Oh, bien. C'est magnifique, c'est validé, vous allez adorer. Allez, je sers une petite assiette et je vous montre tout ça. Moi, j'ai trop faim. En plus, il est déjà midi et demi à la maison. Allez, c'est parti. Le brocoli a coloré les pâtes. Regardez-moi ça. Gorgonzola, là. Oh. Allez, dégustation. C'est validé, Mowgli. Vous allez adorer. Foncez. Faites cette recette. Elle est économique, elle est rapide. Franchement, elle va vous réchauffer en hiver, c'est que du bonheur. N'oubliez pas, hein, je compte sur vous pour réaliser cette recette, pour passer le bonjour à ma grande sœur. Vous vous tapez en mots-clé Mowgli, ça lui fera trop plaisir. Et en attendant, pensez bien à liker, partager, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao !